Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo vêtements et give. Donc give c'est un site de don de d'objets. Voilà, donc j'aime beaucoup ce site-là. J'ai déjà donné des trucs. Non, j'ai pas encore donné des trucs. J'ai déjà eu des trucs. Je vais vous présenter. Là, hier j'ai été récupérer deux articles. Je vais vous en montrer qu'un seul. Parce que l'autre, c'est un sac avec plein de stylos dedans. Voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Il y a plein de stylos. Bon. Je suis assez content, donc il y a plusieurs stylos, donc c'est très très bien. Et sinon, il y avait, je vais vous montrer, une banane. Donc, ça fait longtemps que j'en cherchais une. Je l'ai trouvée toute un peu chère et tout. Et là, franchement, elle a rien coûté. Hein. Sinon, voilà. Donc franchement, elle est en bon état. Franchement, pas de soucis. Les stylos, pareil. Bon, j'en ai jeté quelques-uns parce qu'il y en avait certains qui ne marchaient pas. Voilà. Franchement, je vous conseille vraiment de télécharger cette application. Ça s'appelle Give. C'est avec un petit singe. Franchement, elle est top, top, top cette application. Franchement, elle est super bien. Voilà. Alors ensuite, on va passer à Primark. Donc j'étais à Primark tout à l'heure après ma balade parisienne. Donc j'ai acheté qu'un seul truc. Désolée pour le bruit. Donc je vais me pousser un peu pour qu'on puisse voir. Donc c'est un très beau jean rose. Alors à la caméra, il ressort pas pareil qu'en vrai, mais il est super beau rose. Vraiment délavé tout en haut, en bas, on dirait qu'il a été déchiré à la main. Franchement, il est trop beau. Il fait vintage un petit peu. Je l'ai essayé. Hein. Franchement, c'est un vrai labyrinthe pour essayer les vêtements chez Primark. Donc, je l'ai pris en bas 40. Donc, il est très bien, il me va comme je le souhaitais. Voilà, avec les petites poches derrière. Franchement, il est super beau. Et vous devinerez jamais, jamais le prix. Je l'ai payé seulement 7 euros au lieu de 15. Donc, quasi moitié prix, quoi. Donc, franchement, il est super beau. Hein. C'est un slim, hein. C'est une coupe slim. Rose comme ça, au moins ça change. Voilà. Il est bien serré au niveau des jambes, c'est ce que je cherchais. Il y avait la taille 42, mais ça aurait pas été bon au niveau des fesses. Pour ce joli jean, je fais pas de vidéo portée, hein. De toute façon j'en ai jamais trop fait et franchement ça me gâte. Voilà, alors ensuite chez H&M, j'étais hier à H&M, c'est pour ceux qui connaissent, c'est H&M Avenue de France, hein, dans le 13e. Donc chez H&M, j'ai trouvé un t-shirt. Pareil, qu'un seul truc. Hein. Donc, franchement, la vidéo, elle est méga rapide. Hein. Donc, voilà. Que je remets à moi parce que je l'ai essayé à la maison. Donc, voici. C'est un t-shirt. Vous reconnaîtrez sans doute la scène de Dirty Dancing. Voilà. Bon, il est large, hein. Sa coupe est large. Alors, il y avait soit du XS, soit du XL. Alors, il n'y avait plus de L, et donc voilà. Il n'y avait pas tellement de différence. Mais j'étais obligée. J'adore ce film, la photo. Et franchement, elle est super belle. Moi, j'aime beaucoup derrière. Il est blanc, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est un bon H&M, Dirty Dancing, XL. Bon, la taille, on s'en fiche. Franchement, voilà. C'est un t-shirt qui est bien mignon et celui-ci je l'ai payé 9,99. Franchement, il est au top. Je suis très contente. Donc, ben, ça en est tout pour cette vidéo. Donc voilà, le chat vous fait un petit coucou. Donc voilà.
Écoutez, sinon je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous ferai une prochaine vidéo plus tard. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Bye!